Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon 2.2.0. 5 ? Ok, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, la 2.3 n'est toujours pas arrivée. Nous avons de plus en plus d'informations. Je vous ferai un brief. Donc avant qu'elle ne sorte, un brief qui j'espère sera le plus complet possible. Quoi qu'il en soit, écoutez, on va continuer un petit peu notre farm de réputé d'argent. On verra le moment venu si on change ou pas d'action, le moment opportun quand la 2.3 sortira. Je ferai peut-être quelques visites de vaisseaux, principalement les vaisseaux des peut-être futurs modérateurs Discord dans la catégorie et Dangerous, on verra. J'ai repris quelques missions en off, chers amis. On va essayer de regarder si dans la version, donc là c'est le solo, je suis en dehors des groupes, s'il y a oui ou non des missions à prendre. Il y a potentiellement des missions à prendre. Ah piou, mais c'est parfait tout ça. Qu'est-ce que tu charges? Merci. SMJL Central, 128 000, ça m'aurait intéressé pourtant. 220 000. Aditi Empire League, Empire. Je vais éviter de faire la guerre à tout ce qui est Empire. SMJL Central, il y en a deux. Bah écoutez, on va prendre les deux qui sont à SMJL Central. On va faire le trick, vous savez, on va voir si ça fonctionne toujours. De l'aller-retour dans le tableau pour voir si ça fait repop des missions. Non. Et non, oula. Ok. Ça c'est pas grave pour le moment. Ok. Ok, bon, on est plus ou moins bon. On va dans le tableau de transactions. On va récupérer donc SMJL Central. Pourquoi pas, on va commencer avec le plus... De toute façon, les deux sont l'un à côté de l'autre, chers amis. Donc en soi, ce n'est pas véritablement un problème. On l'avait vu dans une des vidéos précédentes, d'ailleurs. Hop. J'ai cliqué là-dessus. Non. Tu te calmes. Pew, on va commencer par Pew, c'est pas grave, c'est celle qui semble la plus proche sur la map. Et on verra bien. Ok, bon, on n'est pas trop mal. Nous sommes, je rappelle, à 56% d'écuyers. Nous essayons de faire augmenter notre réputation. Je vous ai donné des informations suite à une question que je vais avoir normalement dans la journée. La vidéo normalement était censée être mise en ligne hier. J'en ai pas mise une seule. Il y a plein de choses qui se passent cette semaine. J'aime pas le mois de février habituellement, mais là c'est peut-être le pire mois de février que j'ai jamais vécu. Donc bon, c'est la merde. Du coup, je sais pas comment je vais faire. En gros, là je suis en train de monter. J'ai tourné ce matin la vidéo d'hier qui est en train de monter, qui va devoir uploader, que je vais mettre en ligne. Ensuite, là je vais tourner encore. Donc j'ai encore, après cette vidéo là, cette vidéo ci, j'ai encore 3 vidéos d'Dangerous et 3 vidéos d'Overwatch à tourner. Demain je devrais avoir 4 Robocraft que je vais peut-être pas être en mesure de tourner du tout. Et je ne serai plus disponible de jeudi soir à dimanche, je pense, après-midi. Donc voilà, c'est le bordel, chers amis, si vous saviez. Donc du coup, oui, je vous ai demandé votre avis sur le changement d'armement du vaisseau. Grosso modo, enlever les deux petits multicanons médium de niveau 2, de taille 2, que j'ai émettre... enlever les deux... rayon petit, enfin petit piou-piou laser. Je sais plus comment ça. Bon, on va aller voir comment ça s'appelle. Non, on va pas aller voir. Si, on va aller voir. On va enlever les deux lasers à impulsion que vous voyez là, les deux petits niveau 2. Pour mettre deux multicanons niveau 2. Remplacer. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant ça. Oui, voilà. Remplacer un des. La taille 3 qui est au-dessus par un missile de votre choix, un lanceur de missile de votre choix autoguidé. Ah non, on me dit pas que c'est désactivé complètement. Voilà, c'est bon. Et mettre sur le rayon laser en dessous un laser beam, donc un laser, vous savez, constant, pour défoncer les boucliers ennemis. Ce qui me permettra en fait d'avoir un gros burst damage sur les vaisseaux plus gros que moi via les missiles. Et surtout, de quoi avoir des dégâts constants avec le beam laser en dessous. Sachant que j'ai une grosse capacité d'énergie sur ce vaisseau et que je supprimerai du coup via les multicanons et le lance-roquettes pratiquement toute l'utilisation énergétique du vaisseau. Ouais, je me doute que je vais me faire agresser, t'inquiète. Je vais me faire agresser, c'est ça?
C'est pas là, je suis con. C'est là. Ah non, vous avez besoin. Oh, non, faudrait qu'ils aient les trucs dans 1 heure. Mais j'ai largement le temps. Ah bah c'est bien, si ça a été révisé. Si ça a été révisé, chers amis. Parce que souvent, des fois, ils me disent: ah oui, vous devez faire 2000 aisselles en moins de 2 minutes. Démerdez-vous. Téléportation, Sangoku, zip, tout ça. Mais non, 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 non. Là, apparemment, c'est pas mal. Donc si ça a été corrigé, tant mieux. Puisque de toute façon, 3 minutes pour arriver, c'est à peine le temps qu'il faut pour arriver sur place et se garer. C'était limite. Et je préférais encore, chers amis, qu'ils réduisent la somme gagnée et qu'ils laissent plus de temps. Qu'on puisse avoir la satisfaction de se dire: j'ai réussi à le faire, même si ça m'a pas rapporté énormément plus, j'ai réussi à le faire. Enfin bon. Donc voilà. Donc modification de l'armement, à vous de me dire ce que vous en pensez. Personnellement, l'objectif en fait, parce qu'en fait, le canon en haut, je répète encore une fois ce que j'ai dit dans le précédent épisode, le canon en haut est très difficile à aligner avec le canon du bas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un tout petit angle où je peux tirer avec tout. Un tout petit angle. Et donc l'objectif, ce serait de savoir si oui ou non les lance-missiles au-dessus se verrouillent tout seul via le vaisseau, l'angle de tir du vaisseau. Et donc savoir en fait si le missile part comme ça, plutôt que d'avoir avec le multicanon à viser le truc, et là où c'est compliqué. Vous voyez, c'est là où ça l'angle suffit pas. Donc savoir si en fait le lance-missile va tirer d'abord en hauteur, ce que je pense être le cas, et que donc par conséquent le système de visée lui sera classique, si je puis dire. Sera en fonction du vaisseau. Pourquoi je fais ça véritablement? Les vaisseaux. J'étais en train de parler. Oh putain, apparemment je vais me faire agresser. Donc on va ralentir, j'ai envie de me faire agresser un petit peu. C'est pas grave. J'ai dit on va ralentir, on va pas s'arrêter. Bah voilà. Viens voir papa. Tu es quoi d'ailleurs? Hop, tu es quoi? Un pauvre vulture. Tu vas pas me rapporter beaucoup d'argent toi. Ta cargaison donne la... Ah bah, écoute. Hop, viens voir papa. Papa a un cadeau pour toi. Donc vous voyez à quel point les systèmes d'angle est particulier sur ce vaisseau? Bah alors? Hop. Il est très très lent cet adversaire. Pourtant c'est un expert, je comprends pas. Ou alors c'est parce qu'il a eu du mal à gérer le fait que... Et bon. Ok. Ça se passe assez bien. J'ai les doigts sur le... À vrai dire, j'ai les doigts sur le... Comment le... Les... D'ailleurs, ce que je peux envoyer, c'est les paillettes. Hop. Ah ah! Bah alors, on a des gimbaled. C'est bête. Encore que là j'ai de la chance parce que comme il est suffisamment rapide, je tire plus loin. Et encore, vous voyez là j'ai du mal là, vous voyez. Hop. Je pars sur des paillettes aussi pour être full protec. Apparemment les paillettes le cancel bien, donc du coup j'aurais peut-être dû... Je devrais peut-être constamment tenter les paillettes. Ah bah il a été défoncé par la zone. Donc le vulture serait une bonne cible par exemple pour les missiles comme vous pouvez le voir vu que j'ai gagné 40 000. Et les missiles coûtent à peu près 10 000 à recharger apparemment. Mais après ça a peut-être changé depuis le temps. Excusez-moi, je rentre mes armes. Je ne veux pas paraître offensif. Ok. Merci. Au revoir. Crac. On y retourne. C'est bon. Bon, on a fait la mission bonus. Donc ça c'est cool, et c'est justement pour tout ça que j'aimerais améliorer le vaisseau. Là ça s'est très très bien passé, on avait un vulture. Apparemment il faudrait aussi que je maximise l'utilisation des paillettes. On a pu voir que les paillettes l'ont complètement perturbé. Donc bon, c'est vrai que j'ai mis un nombre de paillettes, j'ai mis les paillettes sur le vaisseau exprès. Et on m'avait dit que c'était extrêmement important dans le build que j'avais mis. On m'avait dit il faut que tu sois constamment sous les paillettes pour t'assurer que
ton bouclier tienne le plus longtemps possible. Ensuite, en dernier recours, tu as les cellules d'énergie et les dissipateurs thermiques. Et vous voyez que là, j'ai utilisé un dissipateur thermique, alors j'aurais peut-être dû en fait continuer avec les paillettes depuis le début. Donc voilà, faut juste que je prenne certaines mécaniques de ce vaisseau en main. Et c'est vrai que les paillettes, c'est quelque chose que j'avais pas utilisé avant, en fait, tout simplement. Hein. Donc voilà. Donc oui, les missiles seraient en fait un burst damage face au gros vaisseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que les missiles, à contrario de coûter extrêmement cher, font beaucoup de dégâts sur les coques, principalement. Les torpilles font des dégâts sur les boucliers et sur les coques. Assez massifs, mais il n'y en a que 4 ou 2, ça dépend. Je sais pas, soit il y en a deux, une dans l'arme, dans chacune, enfin, deux dans la... non, il doit y en avoir deux, c'est ça. C'est ça. Il doit y en avoir deux, une dans l'arme et une dans le chargeur. Mais ça coûte 5000 pièces, je crois. Je crois que c'est 10 000 le chargement complet de torpilles. Ce qui a un prix complètement hallucinant pour des torpilles. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. L'objectif, c'est vraiment de maximiser les dégâts. Là, pour l'instant, vous avez pu le voir, le canon en haut me semble pas extrêmement efficace en termes de dégâts. Et face à un ennemi de ce type, vous avez pu voir que l'ennemi qui rapporte 40 000 de dégâts, je peux me permettre de mettre 10 000 dans un ennemi. Et encore 10 000, c'est pour une recharge complète de commandes de missiles. Je pense que je pourrais tirer, je sais pas en termes de dégâts exactement ce qu'ils font. Ce que je sais, c'est que je pourrais encore peut-être les améliorer chez les ingés, etc. Mais surtout, visuellement, pour vous, voir les missiles partir, ça peut être complètement pété. J'ai vu des vidéos de missiles, j'ai fait « Oh, ça claque !» Donc voilà. Voilà ce qu'il en est. Donc à vous de me donner votre avis dans les commentaires, même si c'était précédemment fait dans la vidéo d'hier, que j'ai tournée aujourd'hui, vous aurez qu'aujourd'hui, qui était censé sortir hier. Mais je suis en train de tourner une session, du coup la vidéo d'aujourd'hui, que je suis en train de cette vidéo-là, vous la verrez que demain. Ouhou, c'est compliqué. Bah non, vous la verrez peut-être même pas demain, vu que je serai peut-être pas en mesure d'uploader demain. Ah, c'est la dèche. Alors, j'ai aussi pris pour partie, chers amis, ça c'est alors plus personnel, d'essayer d'être un peu plus théâtral dans mes vidéos. Je vais essayer de foutre la merde vocalement et essayer justement d'être un peu moins une larve assise sur mon siège. Non, c'est pas vraiment que je suis une larve, c'est juste que je pense que je pourrais corriger certains mauvais tics que j'ai. Par exemple, le hop et l'hyper concentration en tryhard d'Overwatch. Je pourrais peut-être le corriger en étant beaucoup plus théâtral. Et donc du coup, j'ai oublié de parler, j'ai oublié de dire. Oui, est-ce que je peux me garer chez vous, s'il vous plaît? Merci. 3-0, tu parles le russe un petit peu ou pas, je sais pas, 3-0, ok, non c'est pas grave. Donc voilà, être un peu plus théâtral et essayer de bourrer un peu plus le micro, être un peu plus proche de vous, très très proche de vous, si proche de vous que vous pouvez sentir la bosse dans mon pantalon. Voilà, bref, on va arrêter au niveau des boss parce que je sens les vôtres aussi, chers amis. Donc bon, oui, l'objectif ce sera vraiment d'être un peu plus dynamique. Je sais que j'ai perdu un petit peu ça, ou en tout cas j'ai peut-être pas eu dès le départ, mais je veux absolument que la dynamique de la chaîne continue. Et c'est pour ça que je vais essayer de maximiser un petit peu ce que je peux faire dans les vidéos, qui t'aident à crever. Et de toute façon, si je suis crevé, je mériterai entre guillemets le salaire que j'aurai. Voilà, c'est là-bas, en face. Si je puis dire, je suis loin d'avoir un salaire, chers amis, avec la chaîne, ne vous inquiétez pas. Je rêve où Pew1901 m'a demandé de l'aider. Regardez, nous aurons toujours besoin d'un allié de votre calibre. Ah non, d'accord, c'est juste la phrase d'arrivée. Ok. On est bon. C'est beau dans le coin, dis donc, il y a des palmiers pour m'accueillir. Hop. Je me garde de manière parfaite, hein. C'est fou, hein. J'ai tellement de talent. Service de spatioport, chers amis, on va aller rendre ces missions. Pour rappel, nous sommes à précisément 56% de notre rang d'écuyer. Écuyer, c'est tout petit, je rappelle, c'est pour ça que ça monte très très vite. Hein. Hop! Je suis qu'à 35% du montage. C'est pas grave. Ok. Ici. Il y a Aditi Jet Mafia qui augmente, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, regardez. Hop, c'est Aditi Jet Mafia qui augmente. Allez savoir. Hop. Et on est bon. Crac.
Ça, c'est bon aussi. On a dépassé les 13 millions. Une fois qu'on sera à 15, je pourrais commencer à me dire si je dois ramener ou pas le vaisseau. Oui, il faudrait que j'aille à SSJL, c'est ça? Conditions non remplies. D'accord. Voilà. Le type de problème que j'avais dit qu'on aurait. Malheureusement. Mais je veux pas mais non. Alors ça par contre, faudrait peut-être que je commence à le faire. Apparemment ça rapporte énormément. C'est pour ça qu'il faudrait que j'ai peut-être le piton sur place. Ça a l'air de rapporter énormément d'argent. Ravitailler. Faire le plein. À Pew, qu'est-ce qu'ils ont comme... Je voudrais voir simplement s'ils ont ce que je recherche. Donc voilà, grosso modo ce serait, voyez, le canon en dessous, mettre un beam, comme ça. Qui ferait, voyez, beaucoup plus de dégâts. En tout cas sur les comment, les... Merde. Les coques, les... Non, justement, les boucliers. Et à la place de ces petits-là, je mettrais des multicanons. Bon là, ils ont des canons de rang 1, mais je mettrais des multicanons de rang 2. Et bien sûr j'irai voir les ingénieurs pour augmenter tout ça aussi hein. Essayer d'être le plus efficace sur ce FAS. On fait véritablement une bête de combat. Tout bêtement. Ok, voilà. Voilà ce qu'il en est. Et bien sûr mettre des missiles au-dessus. J'ai pas vu s'ils en avaient. Mettre des missiles. Vous voyez ici qui est extrêmement complexe à atteindre. Ici, mais ils en ont pas. Voilà, à vous de me dire dans les commentaires, chers amis. Je veux franchement commenter à ce sujet-là, c'est votre avis qui m'intéresse. Ah, apparemment, il y a un mec qui se fait agresser dehors. Mais qui, apparemment, bah du coup, comme c'est pas le meilleur endroit pour agresser quelqu'un... Ah oui, c'est vrai, je cherche avec la souris, mais non. Alors, je contacte des gens, chers amis, mais pour vous montrer un matériel, mais c'est pas, je suis pas prêt de l'avoir, le matériel en question. C'est un double écran. Mais j'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles. Alors, je sais que mon anglais, parfois, peut être pourri. Enfin, je sais que je mets... En fait, mon anglais, je rajoute... En fait, je mets trop de mots, ce qui rend un truc un petit peu trop pompeux. Mais vous savez que lécher les gens, c'est toujours une très bonne chose. Oh, je sais pas comment ça a pu sortir de ma bouche, cette phrase. Non, mais c'est vrai que... Souvent, si vous voulez obtenir des réponses, malheureusement, faut flatter l'ego des gens. C'est... Dans quel monde vit-on? Et par conséquent... j'ai essayé de contacter des gens qui n'ont pas donné de réponse pour le moment. Au sujet, en fait, d'écran ouvrable autour. Et ça... Enfin, je vous en avais déjà parlé dans un commentaire. Dans une vidéo, pardon. Excusez-moi. Et j'ai pas de nouvelles, excusez-moi, là je... Merde. Heureusement que j'ai le pilote automatique. Ok, c'est parti. Dis-moi pas que c'est pas vrai qu'on est dans l'angle. C'est bon, ok. On peut y aller, oui, parce que si on était dans la planète, ou qu'il y avait la planète entre les deux, on aurait été dans la merde. On se serait fait chier. Et encore un petit coup de boost. Et on quitte. Ah merde. Oh bah je suis pas bon. Là c'est... Ah c'est parce que j'étais pas à fond dans les propulseurs. Du coup je freinais trop. C'est pas grave, ok. Bon vous avez pu voir que je suis pas démascoiffé hein. J'ai les cheveux super longs. Ça va plus. Il va falloir que j'aille chez le coiffeur. Mais je vais pas avoir le temps ce week-end. Je devais avoir le temps ce week-end, mais je crois qu'il va falloir que j'attende en fait. Minimum. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. C'est le bordel. C'est véritablement le bordel, chers amis. Mais cesse de m'importuner. Bon, je vais répondre à ça tout à l'heure. Ok. 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 Et donc du coup, oui, peut-être que si j'emmène le PC portable, je pourrais peut-être emmener un... Je sais pas. On verra. Si j'emmène le PC portable, j'ai pas envie de... Non, 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 faut pas que je fasse ça. Je voulais emmener le PC portable pour faire des leads Dangerous. Mais le problème, c'est que je vais pas pouvoir emmener le matériel là. Et... Oh non! Oh non! Oh non! Je voulais me battre... Voilà! Voilà, Benvis! Ah merde, j'y ai cru.
C'est pas Benvis? Non, merde. Oh, j'y ai cru l'espace d'un instant. Oh, j'ai la haine, j'ai voulu me battre. What? What? Mais t'es un moustique. Enfin, je veux dire... Ennemi détecté, protégez le vaisseau principal à tout prix. Vaisseau principal? Vaisseau principal? Vaisseau principal. Quasi vierge. Vaisseau principal. Déjà me prendre pour un ennemi, c'est limite insultant. Il s'enfuit lui. Il s'enfuit lui. Bon, c'est pas grave. Ok. Retrouver la station. Ok, c'est pas grave. Bon, je voulais me battre. J'ai pas pu. Demande d'apprendre. Ah, je suis pas à distance. Pardon. Donc oui, je veux pas emmener tout ce matériel là. Je peux pas emmener tout ce matériel là, pardon, là où je serai. Potentiellement, de toute façon, ma connexion internet ne supporterait pas. Et Dangerous, déjà de manière. Histoire de vous montrer à peu près dans quelle merde je suis. J'aimerais aussi. Pardon. Escamoter mes points d'empereur. Crac, voilà. Mais surtout, en fait, je veux pas perdre l'habitude, les habitudes que je commence à avoir sur ce matériel. Vous avez pu voir que je commence à me garer de manière assez propre. Et selon moi, c'est très important. Par contre, selon moi, c'est très 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 important que j'arrive à me garer de cette manière. C'est vraiment très très joli quand même. Putain. Des fois, je me dis que si j'aurais un meilleur écran, ça rendra encore mieux. Poussez-vous de mon chemin. 18. 18, 18. 18. Hein? Bon, avant de vous donner la gerbe. Putain, il est là, j'avais lu 38, moi je comprenais pas. Hop, ok, allons-y. Garons-nous. Bon, là j'aurais pu me garer un peu plus vite. Ah merde, je me suis chié dessus. Ah, voilà, je me la suis. J'ai dit que je commençais à bien me garer. Et finalement, voilà, j'ai encore parlé trop vite. Hop. Voilà. Hop. Allons voir quand même. Je vais quand même aller faire le tableau d'émission. J'aimerais répondre à cette personne assez rapidement. Avec la version. Merde, j'ai plus le terme. Bon, c'est pas grave. Hop. Je ferai ça tout à l'heure. Nous sommes à 57%, nous sommes passés à... Nous sommes restés à 57%. What the fuck. Il est possible... Oui, c'est parce que j'ai rendu une mission qui était pas... D'accord. Et là, j'ai monté. Voilà. Wouah. Vous voulez de l'argent? Ah, c'est pas prévu que je leur donne de l'argent. C'est pas prévu que je leur donne de l'argent. Non, c'est pas prévu que je leur donne de l'argent, désolé. Ah, mais merde, arrêtez de faire la manche. C'est pas prévu, je vous dis. Ok, bon, où dans les pièges, chers amis. Ça nous a 5 minutes, c'est parfait, on est pile dans les temps à chaque fois, c'est génial. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je demande encore une fois votre avis, même si je l'aurais sans doute eu aujourd'hui, vis-à-vis de l'armement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures dans Elite Dangerous, chers amis. Hop, et hop. Trop de hop. Oui, je sais, trop de hop. Faut que je corrige ça. Il faut que je corrige ça.